C'est au-dessus de la mer de glace, le long des côtes septentrionales de l'Alaska, que commença notre quête de la baleine franche, ce géant des eaux glaciales de l'Arctique. Nous arrivions sur deux fronts, quatre d'entre nous en hélicoptère, pendant que les cinq autres allaient installer leur campement en bordure de la banquise, attendant le passage des baleines dans leur migration vers le nord. Nous n'étions certes pas les premiers à partir à la recherche de la baleine franche. Déjà, il y a 300 ans, des hommes s'aventuraient à sa poursuite sur de grands voiliers jusqu'au cœur de l'Arctique. Mais l'insatiable cupidité de l'homme blanc finit par décimer les troupeaux. En 1914, le dernier des baleiniers de l'Arctique rentra bredouille. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, la technologie moderne allait nous permettre d'étudier ces créatures gigantesques, maintenant au bord de l'extinction totale. Le succès de l'expédition dépendait beaucoup des qualités de pilote ingénieur et de navigateur de Jim Quackenbush. Notre chef, Scott McVeigh, est un passionné des baleines et très préoccupé de cette espèce en voie de disparition. Je suis Bill Mason et c'est moi qui ai tourné ce film, sauf les séquences sous-marines. Les photographies et la prise de son furent confiées à Chess Beachel. Nous savions que les baleines se trouvaient là quelque part. Nous devions les dénicher et les filmer du haut des airs, pendant que l'équipe au sol s'efforcerait d'arriver en bordure de la banquise. Leur objectif ? Y planter leur tente pour attendre le passage des baleines revenant vers le nord. Homer Botfish, notre guide Eskimo, est un chasseur de baleines de Wainwright. Nous voulions que nos plongeurs descendent en plein sur la route des baleines pour tenter de les filmer. L'un des fous volontaires pour ce travail était Rick Mason, accompagné de Joe McInnes, un spécialiste de la plongée sous les glaces. Mark Konishi, biologiste, veut connaître la voix que peuvent avoir les baleines, alors que Steve Ketona, lui, s'intéresse aux zooplanctons. Le seul à être vraiment dans son élément ici, c'était Homer. Il serait responsable de notre sécurité lors du bris des glaces qui pouvait survenir n'importe quand. Mais la seule façon d'approcher les baleines qui se trouvaient là, c'était de parvenir à l'eau libre. Personne ne connaît précisément les allées et venues des baleines durant l'été ou l'hiver. Par contre, on sait que chaque printemps, quand se brisent les glaces du détroit de Bering, entre la Russie et l'Alaska, les baleines suivent les tranchées dans la glace jusque dans l'océan Arctique, riche en plancton. C'est un voyage risqué pour les baleines, car les passages étroits, le long des côtes, les exposent aux seuls ennemis qui leur restent. Otoy!
Depuis des milliers d'années, les Esquimaux chassent la baleine dans leurs fragiles embarcations de peau à partir de leur camp sur la banquise. Même de nos jours, la chasse fait partie intégrante de la culture des Esquimaux. Cette baleine franche est bien petite à côté des géants de 20 mètres qu'on abat parfois. Celle-ci, qui fait 7 ou 8 mètres, doit peser de 15 à 20 tonnes. Quand on fait une prise, le fanion du capitaine victorieux est déployé et tout le village arrive à la rescousse pour hisser l'animal sur la glace et le dépecer. La baleine franche a des fanons et non des dents, comme le beluga ou le cachalot. Elle se nourrit en laissant l'eau entrer par la bouche, puis en la repoussant à travers les fanons qui sont suspendus à la mâchoire supérieure. Les cils situés à l'intérieur des fanons forment un filtre fin qui récolte les organismes du plancton, surtout le krill, mot qui désigne ces bancs de crevettes qu'on retrouve même dans l'Arctique. Ces mâchoires refermées, la baleine peut avaler la nourriture ainsi recueillie. Les Esquimaux travaillent avec diligence, car si le vent tournait, par exemple, la carcasse pourrait à tout moment être engloutie sous des tonnes de glace mouvante. La baleine franche est bien sûr une espèce protégée. Mais les Esquimaux ont toujours droit à celles qu'ils arrivent à capturer. On ne sait pas vraiment à quel point la chasse met en danger la survie de l'espèce, mais l'homme blanc ne peut certes pas se permettre d'interdire aux Esquimaux un tel fondement de leur culture. Après tout, c'est à cause de la technologie dite supérieure de nos ancêtres mêmes que la baleine est venue si près de disparaître. Quoique bien rudimentaire à nos yeux, les grands baleiniers du XVIIIe siècle pouvaient sillonner les mers à la poursuite des baleines les plus lentes et les plus vulnérables, telles la franche, la blanche et le cachalot. Quantité d'hommes disparurent lors de ces chasses périlleuses, leurs barques détruites ou renversées par les sursauts d'une baleine à l'agonie. Mais les navires ne cessaient d'affluer, toujours plus nombreux et plus assoiffés du liquide précieux. La tête du cachalot regorge à ce point d'huile
qu'on pouvait puiser celle-ci directement de la cavité. Le reste du gras était découpé, puis bouilli sur le pont du navire, qu'on voyait luire ainsi brillamment dans la nuit suivant un jour de chasse heureux. On roula sur l'or jusqu'à la fin du 19e siècle, alors que les navires se mirent à rentrer bredouille à leur port d'attache. Les baleines franches et les blanches avaient presque disparu, ne laissant que le cachalot. Mais une deuxième vague de baleiniers surgit avec l'avènement de la vapeur. On pouvait cette fois poursuivre et abattre au moyen de puissantes canonnières des baleines plus grosses et plus puissantes, telles la baleine bleue et le rorqual, aussi bien que la grise, la baleine à bosse et le cachalot. On remorquait d'abord les baleines jusqu'aux usines, sur la côte. Mais vers 1930, à l'apogée de cette industrie, 41 navires-usines sillonnaient les mers, chacun assisté d'une flotte de baleiniers rapides et puissants. Toutes les 14 minutes, une baleine mourait. On n'a jamais imposé de quota véritable à la chasse aux baleines, et les jours des baleiniers furent vite comptés. La plupart des pays ont presque complètement délaissé cette industrie. Les baleines bleues, les plus grandes créatures que la Terre ait connues, ont rejoint les blanches et les franges sur la liste des espèces en voie de disparition. La baleine à bosse et la grise sont sur cette liste depuis longtemps, et pour les autres qu'on chasse encore, il ne reste que bien peu de temps. Tandis que les nations se renvoient la balle au sujet de l'avenir des baleines, les Esquimaux d'Alaska et de Sibérie, postés sur la banquise comme depuis des siècles, attendent patiemment le passage de la baleine franche. Les baleines sont devenues plus rares, mais les Esquimaux ont encore le droit de les chasser avec leurs moyens traditionnels. Les Esquimaux ont hérité de la passion séculaire de leurs ancêtres chasseurs. Cette baleine est encore bien trop loin du bord de la glace. Pour offrir la moindre chance de succès, la baleine doit venir respirer en surface à quelques centaines de mètres seulement du bord de la glace, car le bateau n'est mu qu'à la rame, afin de ne pas effrayer les baleines. Leurs armes aussi sont traditionnelles, à une exception près, la tête explosive qu'on tire au fusil. Mais les chasseurs esquimaux préfèrent harponner d'abord la baleine et y fixer une bouée au cas où elle coulerait à pic. On lance le harpon à la main, malgré un petit raffinement moderne. Quand la prise est harponnée, cette tige actionne la gâchette, ce qui fait pénétrer la tête explosive profondément dans l'animal. Le câble du harpon est relié à une bouée. L'opération n'est pas sans danger. Un faux mouvement pourrait envoyer tout l'équipage à la mort dans ces eaux glacées. La bouée est camouflée, car les Esquimaux croient que sa couleur pourrait effrayer les baleines. C'est la tête explosive qui provoque la mort de l'animal, alors qu'autrefois, il aurait fallu le harponner inlassablement
jusqu'à ce qu'ils finissent par mourir. La baleine franche est aujourd'hui une espèce protégée et la chasse est remise en question. Mais les Esquimaux y tiennent comme à un élément vital de leur culture. Qu'on se souvienne du drame que fut la perte des bisons pour les Indiens des prairies. La technologie de l'homme blanc avait pratiquement éliminé la baleine franche. Mais cette fois-ci, nos moyens allaient nous permettre de pénétrer au cœur de son monde pour apprendre plutôt que pour détruire. Pour apprendre à aimer et à respecter la baleine franche et tous ses congénères. Quelques signes de vie nous encouragèrent, mais ces étendues d'eau libres se trouvaient à plus de 100 km des côtes. Ce n'étaient pas les brèches que nous espérions voir s'ouvrir le long de la banquise où se rendait l'équipe au sol. La mer de glace est un endroit extrêmement inhospitalier pour l'homme. Pourtant, la vie y abonde, magnifiquement adaptée à ce monde de glace mouvante. Du sang tache encore l'endroit où sont nés deux petits phoques, il y a tout juste quelques instants, semble-t-il. Regardez attentivement. On voit les traces qu'ils ont faites en rampant pour s'éloigner. Avec enthousiasme, plusieurs sortes d'animaux propres à ces régions. Par exemple, ces deux morses. Nous sommes peut-être un peu trop bruyants pour les goûts de cet ours polaire. Le temps froid, presque cristallin, de la première semaine nous permettait bien de voler, mais n'allait certes pas faciliter la formation de tranchées dans les glaces dont les baleines auraient besoin pour remonter au nord. Mais plus loin au sud, nous finîmes par trouver la première lézarde dans la glace qui s'agrandirait jusqu'à notre campement. «
nous entrecoupions parfois les mornes heures d'attente en espionnant la vie sous-marine à l'aide d'un hydrophone. Well, that's fantastic. It's like a symphony down there. Il est ainsi possible de distinguer plusieurs espèces. Privé de découverte, nos plongeurs décidèrent de se préparer à leur rencontre éventuelle avec les baleines en s'exerçant tout près du campement. Nous voulions avoir une idée des courants et de la visibilité en prévision du tournage. C'est de ce côté que ça s'annonçait le plus mal. En effet, le repère disparut entre 7 et 8 mètres de profondeur. Nos plongeurs, malgré leur enthousiasme, ne croyaient vraiment pas pouvoir se rapprocher autant d'aucune baleine franche. Nous avons pensé que c'était le soleil qui, filtrant maintenant par les ouvertures dans la glace, donnait une vigueur nouvelle au plancton, ce qui assombrissait les eaux. Attachés à un filin, nos plongeurs s'assuraient ainsi de ne pas être entraînés sous la glace par le courant. On craignait aussi quelque peu que la brèche se refermât sur eux. Le royaume de la baleine franche est étrange et féerique. Flottant parmi le plancton, en compagnie d'une méduse, les plongeurs se sentirent bien vite tout à fait à l'aise. Vêtus de costumes pneumatiques, bien plus chauds que les costumes normaux, ils pouvaient rester à l'eau pendant près d'une heure sans être autrement incommodés. D'ailleurs, ils souffraient bien moins du froid dans l'eau à moins 4 degrés centigrades que Steve recueillant ses échantillons de plancton à l'air libre. Des amis chasseurs esquimaux profitèrent de leur passage au camp pour écouter les voix des animaux marins grâce à l'hydrophone. Ils reconnurent tout de suite Ogluk, le phoque. Nous étions surpris de leur réaction, mais ils nous racontèrent comment ils écoutaient souvent les bruits sous-marins en posant leur oreille au bout de leurs rames en bois pour repérer les animaux qu'ils chassaient. Leurs ancêtres agissaient ainsi depuis toujours, sans attendre nos hydrophones civilisés. Nous ne pouvions nous empêcher d'admirer leur sens inné de la liberté. Eux qui chassaient avec ces vieux fusils et une poignée de cartouches sur les glaces apprivoisées par leur race depuis des siècles. La vie continuait, mais finalement, le mauvais temps apparut, nous laissant espérer que la banquise se mettrait à bouger. Le vent souffla des jours durant, alors que nous attendions patiemment. Nous regardions la glace s'empiler sur la côte et nous espérions sans cesse que le vent tourne. Nous comptions également sur les indications de l'hélicoptère. No, the ice is just piling up against the shore.
You know, there's no way that ice is going to open up until the wind changes. Fantastic. I sure hope the chopper can find it. With a little bit of luck, the lead is going to break open right here. I hope it doesn't break open behind us. You're going to be okay. How long can you tread water? L'hélicoptère, lui, était stationné à un poste de la ligne radar du Nord, puisqu'il lui fallait une source d'énergie extérieure pour démarrer par ce froid. C'est en suivant une échancrure dans les glaces vers le sud que nous fûmes assurés pour la première fois de la présence de baleines, grâce à ces trous faits pour respirer, sans doute par des belugas, une petite baleine de l'Arctique d'un blanc pur et mesurant environ 5 mètres. Les glaces se forment autour des baleines lorsqu'elles dorment, et l'impression en reste ainsi marquée quand elles plongent de nouveau. Nous trouvâmes bientôt ces belugas, et, ma foi, en assez grande quantité. Nous n'avions pas trouvé les baleines franches, mais au moins, ces belugas nous encourageaient fortement, car les baleines franches voyagent souvent en leur compagnie. Les adultes sont d'un blanc pur, et en regardant attentivement, on distingue derrière les mères certains jeunes encore gris. Les belugas viennent respirer en surface toutes les 5 ou 6 minutes. Dans une ouverture plus petite, ils se succèdent en un chassé-croisé, où ils font surface plusieurs fois avant de nager sous la glace jusqu'au prochain espace d'eau libre. Et soudain, malgré notre incrédulité, oui, c'est bien elle, une baleine franche, en plein dans un troupeau de belugas. De nos jours, bien peu de gens ont vu des baleines franches vivantes. Voici ce qu'en disait un capitaine de baleiniers du XVIIIe siècle, William Scoresby. Sa bouche s'ouvre sur une cavité de la grandeur d'une salle et qui pourrait contenir toute une barque de vaisseaux marchands remplis d'hommes, soit plus de 2 mètres de largeur, 3 ou 4 de hauteur et 5 de profondeur. Elle est si impressionnante que même un chasseur comme le capitaine Scoresby ne laisse pas de l'admirer. Il ajoute : « La baleine possède un instinct maternel remarquable.
En juin 1811, l'un de mes hommes harponna un baleineau non encore sevré. Eh bien, la mère remonta tout près et protégea son bébé en le maintenant sous sa nageoire. Résolue et courageuse dans l'entreprise de sauver son rejeton, elle se souciait peu du danger qu'elle-même courait. Finalement, elle fut aussi touchée, sans cependant tenter de s'échapper. La disparition d'une baleine peut être très attristante, mais sa valeur, ainsi que la joie de la prise, ne peuvent le céder à notre compassion passagère. Scoresby nous fait également ailleurs une description détaillée de la tête de la baleine. Les yeux se trouvent de chaque côté de la tête, juste au-dessus et derrière l'angle de la bouche. Ils sont étonnamment minuscules comparés au reste du corps. Au sommet de la tête, on retrouve les trous ou évents par où elle respire. Ces deux ouvertures en long de 6 à 8 pouces sont les véritables narines de la baleine. Nous avons filmé ces baleines non pas en une seule occasion, mais sur une période de 3 ans. Elles étaient souvent en compagnie des bélugas. On a découvert il y a déjà quelques années que la baleine à bosse avait une voix et même qu'elle chantait. Les Esquimaux, eux, prétendent avoir entendu la voix de la baleine franche. Il nous fallait donc immerger nos hydrophones près des baleines et tenter de les enregistrer. Nous avions cependant un problème. Après avoir atterri sur la mer de glace, le moteur ne repartirait plus si on l'arrêtait par un tel froid. Nous serions isolés à jamais par l'étendue d'eau entre la côte et nous. Heureusement, un massif rocheux surgit près de la rive à cet endroit et nous posâmes l'appareil au pied de la falaise sur la banquise. Nous avions à peine une demi-heure pour agir, sous un vent glacial. Let me get the hydrophone in the water and see what we're getting. We'll certainly get the seals and we'll see what other sorts of sounds we can pick up. Nous ne savions pas à quoi ressemble la voix de nos baleines. Alors il fallait les avoir en vue pour les enregistrer avec certitude. Nous savions qu'elles allaient venir, mais s'approcheraient-elles assez? Seals?
I saw one. It's a boy head up there. I saw it, I'm sure. I think I heard it. Le grognement très bas de la baleine franche nous surprit quelque peu, mais il n'y avait pas à se tromper si on le comparait avec les cris déjà connus des morses et des belugas, par exemple. Pour satisfaire à notre dernier objectif, nous n'allions plus attendre le bon vouloir des baleines, mais transporter nos plongeurs jusqu'à elles. Voilà qui comportait des risques. On allait descendre sur la glace, puis l'hélicoptère s'éloignerait pour ne pas effrayer les baleines. Mais si le pilote nous perdait de vue, il pourrait ne jamais nous retrouver dans ce labyrinthe chaotique de glace blanche. Nous avions un autre ennui. Le temps nécessaire aux plongeurs pour descendre de l'hélicoptère et se mettre à l'eau suffirait largement aux baleines pour s'enfuir sans que nous puissions prédire l'endroit où elles referaient surface. Il fallait quand même tenter le coup. On ne peut éviter que l'hélicoptère cause un certain émoi chez les animaux qu'on veut filmer. C'est l'une des choses qui me déplaît dans la photo aérienne. D'ailleurs, cela enlève tout naturel au comportement des animaux. L'incroyable, c'est qu'il y a quelques années à peine, il était parfaitement légal d'abattre ces animaux pour le plaisir du haut des airs. Cette méthode de chasse aberrante n'est heureusement plus permise aujourd'hui. Comme il nous semblait de plus en plus aléatoire de vouloir filmer la baleine franche, nous y allâmes tout de même pour les belugas. Dans cet endroit relativement clos, nos chances de les filmer paraissaient meilleures, car contrairement à la baleine franche, les belugas ne peuvent nager de grandes distances sous les glaces et se voyaient plus enclins à demeurer près de cette ouverture-ci. Nous avions 3 heures de carburant et donc un horaire serré. 1 heure pour déposer les plongeurs au bon endroit, 1 heure de tournage, l'hélicoptère survolant la région à distance, puis 1 heure pour remonter à bord et rentrer. Hey, the guy's fantastic. It's working. It's beautiful.
Do you want a tether, Joe? Yeah, let's get that tether on. Check the current here. I don't want to get swept on the ice. Yeah, you guys, hang on to that blinking thing. Well, if there's no current, you can slip it off. We'll put it in. Okay, fine. Let me check that valve, Joe. Okay, man, thanks. Hey, Chet, are you getting anything on the microphone? Oh, yeah, sure. No bullheads, though, eh? No bullheads. Okay, Rick, I'm going to back in. I'm going to back in slowly. Pay out the tether. Gee, the ice is thin. La visibilité était décevante. On ne voyait en plongée que jusqu'à 10 ou 12 mètres, sans d'ailleurs apercevoir aucune baleine. Si Joe se rendait à un bout de l'ouverture, elle plongeait jusqu'à l'autre bout, et il ne pouvait s'en approcher. Mais même sans les voir, il les entendait clairement. Le son aigu et enjoué est celui des belugas, et l'autre, à l'arrière-plan, celui des phoques. Finalement, on allait se débarrasser des bonbonnes pour se contenter du tube respiratoire, et il fut convenu que les deux plongeurs, partant de chaque extrémité, allaient tenter de coincer les belugas entre eux.
Nous avons bien du mal à saisir la grandeur, l'énormité des baleines. Mais cette brève rencontre avec elles nous a rappelé que même si elles nous paraissent démesurées, elles respirent, aiment et souffrent comme nous, et ressentent sans doute aussi le plaisir unique d'être en vie. C'est un fait, comme le soulignait Scoresby, que la disparition d'une baleine est extrêmement attristante. Mais les mots ne peuvent plus décrire ce massacre qui continue même de nos jours. Cette tuerie a mis toutes les grandes espèces de baleines sur la voie de l'extinction totale. Nos attitudes froidement pragmatiques seraient avantageusement remplacées par de l'amour et du respect pour ces géants des mers que sont la baleine franche et ses congénères.